Et la spécificité des Y, bien sûr, je vais essayer de temps en temps de vous en parler, mais ce serait me trahir si moi je ne commençais pas par vous dire, certes, il y en a qui ont 25, 30 ans, qui viennent d'arriver, il faut bien sûr en tenir compte et respecter, les intégrer, mais il y a ceux qui sont là depuis un peu plus longtemps, et ils sont pour moi aussi importants, parce que c'est eux qui vont représenter, et pourquoi pas véhiculer la culture de l'entreprise. Et puis il y a aussi quelque chose qui est indispensable, c'est que tu sois X, Y, ou que tu sois hein, la lettre que vous voulez, ce qu'il faut, c'est qu'on gagne ensemble. Parce que aussi bien dans vos métiers à vous que dans le mien d'hier, puisque bon, c'est vrai que je ne l'exerce plus aujourd'hui, il n'y a qu'une seule chose qui faisait valider la cohabitation, c'était le succès. Donc la performance est essentielle. Hein. Donc c'est ça aussi qu'il faudrait qu'on mette systématiquement en exergue dans tout ce que je vais vous dire, c'est à des fins de résultats et bien sûr à des fins de résultats collectifs. Alors, il peut y avoir un premier affrontement entre le why et sa hiérarchie, entre le why et son manager, parce que Antoine a dit, ouais, les why, on est super bien formés, on est super diplômés, d'accord, bon, j'admets le postulat. Sauf que tu arrives dans l'entreprise, on te décrit assez précisément le contour de ta tâche, mais comme tu es un why, tu comprends très vite, voilà. Donc tu entres en action le plus vite possible. Et là, une fois que tu es en action, ton manager s'aperçoit que, bon, certes, tu as des aptitudes, mais tu n'as pas encore de capacité, vous voyez, par rapport au métier, parce que c'est ton premier poste. Et c'est vrai que, quelle est la manière pour passer de l'aptitude à la capacité? Eh bien, c'est de faire un effort sur ce qu'on appelle la valorisation du savoir-faire. Alors, comment on fait quand on est un why pour accepter de s'améliorer sur la qualité de son savoir-faire? Et comment on fait quand on est manager pour faire en sorte que ce collaborateur-là accepte à terme, et si possible à court terme, de devenir performant? Donc ça, c'est essentiel. Alors, le sport nous fournit un bon exemple de l'exigence, de l'importance sur la qualité du savoir-faire. Seulement, je vous le concède, à vous qui êtes dans le monde de l'entreprise en général, vous n'êtes pas dans les meilleures conditions pour ça, vous n'êtes pas dans les mêmes conditions que les sportifs qui, eux, ont la chance, et on n'y réfléchit pas assez souvent quand on juge l'acte sportif, que les sportifs de haut niveau, je parle des sportifs à vocation systématiquement de faire des résultats, les sportifs de haut niveau ont un temps imparti à la préparation très long. Un sportif de haut niveau, c'est un athlète qui passe 90% de son temps à s'entraîner et 10% de son temps à gagner des matchs ou à gagner des médailles. Bon. Vous, c'est le contraire. Dans le meilleur des cas, le ratio est inversé. C'est pour ça qu'justement, il y a des organismes comme Tetra Energy qui sont là pour valoriser ce temps de la formation, etc. Mais donc, vous n'êtes pas dans les mêmes conditions idéales. Et pourtant, je pense que vous serez d'accord avec moi pour dire que le savoir-faire est essentiel. Le savoir-faire théorique, celui que peut-être on a acquis dans des formations universitaires, puis ensuite que ça devienne vraiment la capacité à. Nous, on appelle ça être capable de. Est-ce que chacun de nos joueurs, au moment où le match va commencer, se sente, hein, déjà c'est quelque chose qu'il faut ressentir, se sente-t-il capable de faire face à toutes les situations qu'on va rencontrer dans le match? Il vaudrait mieux, hein, il y aurait intérêt à ce que ce soit comme ça. Alors nous, dans le domaine du sport, pour y revenir, nous avons une technique assez fiable qui est la quantité d'entraînement. Et dans la quantité d'entraînement, on a un aphorisme qui est formidable, qui dit « répéter n'est pas recommencer ». Répéter, 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 parce que de répétition en répétition, l'être humain se transforme. Et au bout de cette transformation, il y a sa capacité qui va apparaître. Alors, question, vous qui les fréquentez, ces fameux why, est-ce qu'ils sont capables d'accepter cet effort de répétition? Vous savez, plutôt que de dire, ouais, ça va, attends, mais tu sais à qui tu t'adresses, quoi, voilà, regarde mon curriculum universitaire. Oui, mais au niveau du savoir-faire. Et là, dans cette première relation que je vous propose entre le manager, qui peut être même un quinca, pourquoi pas, et un collaborateur qui vient à peine d'avoir 25 ans,
peut-être que ça peut être un peu tendu. Hein, parce que moi, mon collaborateur jeune, je veux le faire répéter pour être sûr que le savoir-faire soit vérifié. Moi, il y a quelque chose que je voudrais essayer de vous vendre et qui n'est pas toujours facile à obtenir de la part des managers expérimentés. Le manager qui a sa carrière, pas derrière lui, non, sinon, mais qui a sa carrière bien avancée, c'est ce qu'on appelle le progrès personnel permanent pour chacun de ses collaborateurs. Alors, j'ai envie de vous dire, si on devait faire une diversion, c'est-à-dire si on devait s'élever au point de dire... Pour chacun d'entre nous, quel que soit le métier, quelle que soit la trajectoire, essayez d'avoir cette attitude de ne jamais être satisfait, non pas de son sort, mais de son état professionnel, et essayez chaque jour d'être un peu meilleur, vous savez. Cette dimanche, alors il y a des spécialistes qui appellent ça un savoir-faire. Tout à l'heure, j'ai fait l'apologie du savoir-faire. Là, je dirais, excusez-moi, un petit lapsus, de savoir-être. Voilà. Savoir-faire, certes, mais savoir-être, c'est très important. Donc si on est convaincu par le fait que dans une carrière professionnelle, l'important est de ne jamais stagner, vous savez, jamais atteindre ce qu'on appelle la phase de plateau, où on ne progresse plus, parce que quand on ne progresse plus, c'est Confucius qui a dit, l'être humain va aussitôt régresser, essayez de faire en sorte que si vous partagez cette démarche, ben, que vous en fassiez aussi, vous, que vous en fassiez les prosélytes vis-à-vis de vos collaborateurs. Je suis manager... J'ai recruté, enfin, on m'a confié de nouvelles ressources humaines, je les oblige à répéter pour vérifier leur savoir-faire, et maintenant qu'ils savent faire, bon, ils sont en action, ils essaient d'être performants, mais je me fais une exigence, moi, de tout faire pour les mettre en situation de s'améliorer un petit peu chaque jour. Vous voyez, je ne me contente pas que de la vérification du travail fait et du travail bien fait, je ne me contente pas de valoriser quand ça marche et de stigmatiser quand ça ne marche pas. Ça, c'est la base du métier. Mais aussi, j'essaie d'analyser. Voilà, je viens de recruter Antoine Daval. Donc, voilà, je le connais un peu mieux qu'hier. Mais demain, je le connaîtrai encore mieux. Je sais que son point fort, c'est ça. On a vu qu'il est très à l'aise dans la rhétorique, qu'il présente très bien. Donc, bien sûr, on s'appuie dessus. Mais il a certainement un petit point faible caché que je n'ai pas encore découvert. Mais le jour où j'aurai découvert son point faible... J'essaierai de mettre en exergue certains éléments pour qu'ils s'améliorent. Sachant que, ça je voudrais bien vous le préciser, vous le savez aussi bien que moi, mais il vaut mieux des fois insister là-dessus, que vous adressiez à un Y ou à un X ou à quelqu'un qui est en fin de carrière, l'ambition d'améliorer son point faible doit être abordée avec diplomatie. Voilà, parce que dans une entreprise... L'un quelconque des membres de notre équipe n'aime pas trop qu'on exhibe son point faible, surtout si c'est devant les autres. Alors, il y a des choses qu'on peut régler dans l'intimité, vous savez, intimité, manager, manager, employeur, employé, mais il y a des choses aussi où on a besoin des autres pour trouver les conditions expérimentales du progrès. Alors, imaginons que, bah, je veux montrer personne, parce que je ne voudrais pas que l'un d'entre vous le prenne mal, mais... Bah, bon, imaginons que ce soit de moi dont il s'agisse, je viens d'être recruté. Bon, faites l'effort d'imagination, hein, je viens d'être recruté. Mon manager s'est aperçu que j'étais brillant, par exemple, dans le domaine offensif, pour rester sur le terrain de handball, mais que je suis très médiocre dans le domaine défensif. Alors, il a l'ambition de m'améliorer en défense, ce qui est louable. Et puis moi-même, bon, pourquoi pas, je dis pourquoi pas, bon. Par contre, s'il commence à me dire devant tout le monde, tu es tellement nul en défense que nous allons tous faire des efforts pour que tu t'améliores dans ce secteur, alors là, c'est terminé, quoi. Moi, je me ferme, je me bloque. De quoi il se mêle? Pourquoi se permet-il? Donc, si l'ambition de mon manager, c'est de m'améliorer en défense, il faut qu'il soit malin. Il faut qu'il présente ça en disant, voilà, bon, on sait que la défense, c'est pas trop ton truc. Voilà, un petit euphémisme. Voilà. Et après, de dire, mais voilà, on va t'intégrer dans des exercices défensifs en espérant que tu y prennes goût, etc. Présenter comme ça, ça peut le faire. Le progrès personnel permanent est important pour qu'un collaborateur traverse les âges. Il va pas rester wild toute sa vie et il faut ensuite, etc. Alors, en plus, il y a ce que tu as dit, Antoine, et qui est très vrai... cette espèce d'impatience hein, des jeunes générations. Donc pour que
l'impatience soit satisfaite, il faut toujours qu'il y ait quelque chose de plus, quelque chose de mieux qui va modifier un petit peu la feuille de route pour que ça marche très bien. Et le manager directif, n'ayons pas peur des mots, c'est le manager qui se met, lui, ostensiblement au centre du projet de son équipe. Il a du respect pour ses collaborateurs, certes, mais lui, il est au centre, c'est lui le plus fort de tout le monde, c'est lui qui sait où il faut aller, c'est lui qui sait comment il faut faire pour y aller, et c'est lui qui va vous dire comment on fait pour y aller. C'est le style « ferme ta gueule et nage ». Alors, je ne peux pas faire une métaphore d'un entraîneur de natation bien connu auquel on pense quand je dis ça, mais... Alors, est-ce que cette attitude-là, que ce soit pour des X ou pour des Y, est-ce qu'elle peut être efficace? Malheureusement, oui. Parce que tant que le coach est au centre, mais qu'il assume cette position centrale, qu'il comprend bien ce qui se passe, qu'il évalue bien ce qui s'est passé, qu'il est capable de modifier la trajectoire de l'entreprise et donc de chacun de ses collaborateurs, et qui met les gens en situation de progrès personnel, ben peut-être qu'un coach directif, ça peut être un coach d'une équipe qui gagne. D'ailleurs, le premier titre mondial auquel a fait allusion Jean-Luc en 1995, il a été obtenu avec les Bargeaux, mais avec un coach très directif. Donc ça peut marcher. Sauf que, question corollaire, ça peut marcher, mais jusqu'où? Jusqu'à quand? Eh bien, ça marche jusqu'à quand? Jusqu'à ce que ton équipe, elle atteigne un niveau suffisant où... On pourrait dire ça comme ça, comme si c'était un combat social. Cette équipe-là, elle a gagné le droit au respect de son manager. Voilà, elle a prouvé que. Et à ce moment-là, la directivité, elle commence à être un peu insupportable. C'est-à-dire, le jour où mes garçons ont été champions du monde en 1995, n'aurait-il pas fallu qu'en 1996, je me calme un peu dans mon attitude en lâchant un petit peu quelque chose? Pour employer l'expression consacrée, en leur donnant un peu plus la parole. Alors, un peu plus de zéro, c'est facile à faire, vous voyez. Avant, vous ne leur donniez jamais la parole. Là, bon, vous faites semblant de le faire. Et puis, si vous faites semblant de le faire, vous pouvez vous apercevoir, à votre grande surprise, qu'ils peuvent avoir des choses à dire. Et je dirais, toute génération confondue. Vous rassemblez votre équipe. Il y a une problématique qui est à envisager pour un exercice à venir. Alors, on a fait le bilan de la saison passée, de l'exercice passé. On subodore tous ces objectifs qu'on va se fixer pour l'année suivante. Et puis, avant que le coach ou le chef n'aille à la tribune et vous sorte ces slides directifs pour vous expliquer ce qu'il faut faire l'année prochaine, eh bien, avant d'arriver à cette phase-là, par laquelle il faudra passer, puisque c'est comme ça que ça marche, pourquoi ne pas les interroger tous, comme ça, sous la forme d'une, ce que j'appelle moi, des séances de verbalisation? Alors quand on a une quinzaine, vingtaine de collaborateurs comme nous, c'est facile à faire. Si vous avez 3000 employés, c'est difficile de les réunir à 3000 et de leur donner la parole à tous les uns après les autres. Mais bon, restons dans des entreprises à dimension humaine. Qu'est-ce que ça vous coûte, avant de décider quoi que ce soit pour eux, de les interroger pour savoir ce qu'ils en pensent? Alors moi, au début, je ne l'ai pas fait. Au milieu du guet, je ne l'ai pas fait non plus. Quand on a perdu, j'ai dit que ce n'était pas de ma faute, j'ai dit que c'était la faute des joueurs. Dans les Bargeaux, j'en ai viré la moitié. J'ai quand même gardé Richardson, Stocklin et tout, Casal, quelques joueurs qui étaient quand même pas mal. Et il a fallu un deuxième échec pour que je me rende compte que j'étais un peu systématiquement en train d'outrepasser les limites de ma fonction. Donc là, je me suis mis à les interroger. Toute génération confondue, c'est-à-dire il n'est pas question de donner la parole qu'aux anciens, on donne la parole à tout le monde. Et je me suis aperçu qu'au sein de cette équipe-là, qui avait traversé tout un tas d'épreuves et tout ça avec moi, il y avait une richesse dans la réflexion professionnelle qui est assez intéressante. Et quand vous avez une entreprise où il y a plusieurs générations qui se mélangent, bien sûr que les why vont tenir des discours de why, cette espèce d'ambition, cette espèce de fait d'être pressé, d'arriver tout de suite et tout. La génération X entre les deux va essayer d'expliquer toute la difficulté qu'ils ont, comment dire, à concilier la vie privée et la vie professionnelle et tout ça. Et puis les plus anciens, qui représentent la culture de l'entreprise, eh bien, ils vont avoir un discours d'ancien. Mais ce n'est pas gênant,
Parce que les jeunes entendent les discours des anciens, les anciens entendent les discours des jeunes, et ce qu'il faut à ce moment-là, quand on est manager, c'est de voir où est la lumière dans tout ce qui est dit, et d'essayer de choper au passage ce qui est intéressant. Et c'est vrai que moi, dans les années 90, il n'y a que moi qui décidais de tout, donc des fois on gagnait quand j'étais bien, et puis des fois on perdait quand j'étais un peu fatigué. Et puis en 2001, j'ai compris que, en donnant la parole à mes collaborateurs, j'ai découvert des richesses en eux que je ne subodorais pas et donc je me privais. Il y a quelque chose qui est important pour mettre les why en bon état et qui n'était peut-être pas aussi indispensable dans la génération précédente, c'est ce qu'on appelle l'empathie. Mais l'empathie dans le sens de l'empathie managériale. L'empathie, vous savez que c'est la capacité à se mettre à la place de l'autre. Alors, par rapport à ce que tu as dit, Antoine, c'est vrai qu'un mec, un quinquagénaire, devant se mettre à la place d'un why, qui maîtrise tout à Internet, qui est connecté 24 heures sur 24 et tout ça, c'est peut-être pas évident, mais ça fait partie du métier. Ça fait partie du métier. Sans se rendre ridicule, bien sûr. Vous n'allez pas aller sur des terrains où vous n'en touchez pas une. Non, non. Mais par exemple, moi, ce qui m'intéresserait, ce serait que dans une entreprise, un cadre quinquagénaire, avec toute l'expérience qu'il a, avec toute la culture de l'entreprise qu'il a accumulée, soit capable, dans une relation fine avec son collaborateur, d'essayer de se mettre à sa place et d'essayer de l'aider, non pas par rapport à ce qu'il était lui, le quinquagénaire, quand il avait 20 ans et qu'il est rentré dans cette entreprise. Ça, tout le monde s'en fout de ce que vous étiez quand vous aviez 20 ans, si vous en avez 50. Par contre, de votre capacité à venir en aide à un jeune collaborateur, même s'il est plus fort que vous en connexion diverse, ça me paraît quelque chose d'important. Parce que vous avez l'expérience, vous avez l'autorité, et si à un certain moment, cette expérience et cette autorité sont mises à la disposition d'un nouvel entrant à partir de ce qu'il est lui, ça peut être quelque chose de fort. Dans l'intimité de la relation manager-manager. Parce que il ne faut pas l'oublier, un manager, il est là pour gérer une équipe, donc il faut le résultat collectif, le respect des fondamentaux, tout ce qu'on veut, mais il est aussi là pour essayer de traiter les problèmes individuels, le traitement du particularisme. Moi, je pense que c'est quelque chose de très important. Et pour y parvenir, mesdames et messieurs les managers qui êtes en face de moi, il faut développer ce don d'empathie. Alors, le don d'empathie, il passe par un moyen technique qui n'est pas très compliqué, qu'a inventé un vieux grec, je ne sais plus quand, mais bien avant Jésus-Christ, qui s'appelait Socrate, je ne sais pas si ça vous redit quelque chose. Et la technique, c'est la maïeutique de Socrate. Le fait de mettre un jeune en situation de progrès en l'obligeant à répondre à vos questions, c'est-à-dire vous allez poser des questions au manager. Vous n'allez pas vous contenter de répondre à ces questions, parce que peut-être que lui ne vous en posera pas. S'il pense que vous êtes incompétent, il ne vous en posera pas. S'il pense que vous allez lui faire un mauvais sort parce que vous lui posez une question, il ne vous en posera pas. Mais vous, il faut que vous lui posiez des questions. Et posant des questions à quelqu'un, ça donne l'impression de se mettre à son niveau, à sa portée, etc. Et puis ensuite, de question en question, c'était ça, l'intérêt de la maïeutique, avoir ce développement commun qui va permettre d'arriver à quelque chose ensemble. Ça, c'est très important. Le why, c'est un potentiel. Un potentiel qu'on ne peut pas considérer comme systématiquement avéré, parce que c'est comme on l'a dit tout à l'heure, c'est une matière brute. Et cette matière brute, il va falloir la peaufiner de façon à ce qu'elle s'intègre. Voilà. Parce que des Jackson, il n'y en a plus après lui, même si aujourd'hui, il y a des joueurs très, très brillants, même très imaginatifs. Il y a un petit black qui s'appelle Luc Abalo. Vous avez peut-être entendu parler de Luc Abalo, un gaucher. C'est presque de la dimension de Jackson Richardson, mais presque, pas totalement et pas suffisamment. Donc il faut qu'il y ait cette démarche de lui permettre d'aller au bout de son rêve professionnel, mais aussi en faisant en sorte que lui fasse l'effort aussi d'intégration. Ce que Jackson n'a pas eu besoin de faire, parce que Jackson, il est arrivé dans une équipe
qui était à l'époque 14e au rang mondial. Donc 14e mondial, une plus-value comme ça, j'ai exigé qu'on l'utilise sans se poser de problème métaphysique de dire « Ouais, mais est-ce qu'on lui fait toute la place ou que la moitié ?» Bon, maintenant, aujourd'hui, pour entrer dans l'équipe de France de handball, alors que c'est la meilleure équipe du monde, et pour s'imposer tout de suite de but en blanc, il faut être Richardson au carré, quoi. Donc aujourd'hui, quand un jeune arrive, on lui demande d'exploiter son potentiel le plus vite possible, mais on lui demande aussi d'intégrer ce qu'on pourrait appeler, d'une manière un peu pompeuse, mais vous voyez ce que je veux dire, la culture de l'entreprise. Donc par rapport à un why qui arrive, moi je pense qu'il serait intéressant que son management lui permette le plus vite possible et le mieux possible d'exprimer ses qualités, de faire valoir sa plus-value pour qu'on comprenne ce qu'il peut nous apporter, mais qu'aussi, dans le même temps, celui-là, facilité par les collègues de travail, il fasse l'effort de s'intégrer, c'est-à-dire de s'intéresser à ce que c'était cette entreprise avant qu'il n'arrive. Et moi, je dis, voilà les deux vecteurs qu'il faut envisager simultanément. Le laisser s'exprimer sur son point fort, bien sûr. S'il n'en a pas un, vous n'allez pas le recruter. De toute façon, on est toujours recruté par rapport à son point fort. Et ensuite, faire en sorte qu'il fasse l'effort d'intégration. Et la meilleure façon de s'intégrer, c'est d'apprendre la culture de l'entreprise. Alors, comment faire pour s'exprimer comme ça, de but en blanc, sur son point fort ? Eh bien, c'est au management de lui faire la place. Un peu moins, un peu comme j'ai fait avec Jackson Richardson. Et la deuxième partie du contrat, nous l'avions essayé d'aborder ça sous l'angle du tutorat. Je ne sais pas ce que vous pensez de la démarche tutorale, mais pour moi, elle est excessivement positive. C'est-à-dire, quand vous rentriez, je ne sais pas ce qu'il en est aujourd'hui avec mon successeur, peut-être qu'il fait différemment, mais à l'époque, quand vous entriez dans l'équipe de France de handball, que donc vous aviez ce profil connecté en permanence, etc., 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 on vous affectait un tuteur qui était l'ancien opérant au même poste que vous. C'est-à-dire, si vous étiez un gardien de but, eh bien, donc, c'est l'ancien gardien de but qui était affecté du rôle de tuteur du nouvel entrant. Et au-delà de la cérémonie de parrainage, la remise du coq et tout ça, il y a toute une symbolique qui est toujours intéressante d'avoir dans une entreprise, il y avait cette démarche, pas obligatoire, mais fortement conseillé, de dire aux parrains, eh bien, c'est toi qui vas te charger d'apprendre au nouveau toutes les choses dont il serait susceptible d'avoir besoin pour se sentir bien intégré. Alors nous, par exemple, c'est des détails très précis qu'il est difficile d'envisager à l'entraînement parce que ça mobiliserait trop de monde, pour dire qu'est-ce qu'on fait dans telle situation, dans telle équipe, depuis des nombreuses années. Vous savez que nous, on a des situations particulières. Qu'est-ce qu'on fait quand on a un joueur de plus sur le terrain parce qu'un adversaire s'est fait sortir? Qu'est-ce qu'on fait, nous, quand on est un de moins et tout ça? Toutes ces habitudes, tous ces réflexes professionnels que le tuteur est chargé d'enseigner au tutoré. Et quand on crée cette relation d'intimité entre le tuteur et le tutoré, on démystifie plusieurs choses. On démystifie l'éventuelle rivalité, parce que c'est vrai que celui qui a 30 ans, qui est titulaire au poste, il voit arriver un Antoine fringant et tout, qui a envie de tout bouffer sur son passage, ça peut le mettre un peu à rebrousse-poil. Mais comme le titulaire est chargé de certains apprentissages vis-à-vis du nouvel entrant, ça démystifie un petit peu ce risque de rivalité. Et puis, il y a quelque chose aussi que j'ai découvert, mais beaucoup plus tard, c'est que l'ancien à qui vous imposez à un certain moment une attitude qu'on pourrait qualifier de pédagogique, puisqu'il doit enseigner, il doit transmettre, ça lui permet à lui aussi de revisiter ses savoir-faire, ses compétences, parce que quand on doit transmettre quelque chose, je ne sais pas si c'est arrivé à certains d'entre vous, mais quand on se trouve en situation de transmettre ou d'enseigner, on s'aperçoit qu'on voit les choses ensuite sous un jour un petit peu différent. Voilà, ce que je pensais bien savoir, faire, ou même savoir tout court, à partir du moment où je dois l'enseigner, je m'aperçois qu'il faut que j'en remette une couche pour bien maîtriser ce dont il s'agit. Et remettant une couche, eh bien, moi, ça va peut-être m'améliorer dans mon comportement professionnel de tous les jours. Donc ça, c'est quelque chose d'assez important que je vous conseille, parce que chez nous, ça,
tant que ça a été mis en exergue, ça a marché fortement dans la tentative de mettre en situation, pour encore une fois démystifier la rivalité et déboucher sur cette espèce de connivence professionnelle. Ne vous est-il pas arrivé dans les entreprises que vous avez fréquentées que parfois on mette sur le dos d'un service dont on ne connaît pas vraiment précisément le fonctionnement toutes les causes de notre échec, hein ? Comme disait La Fontaine, ce pelé, ce galeux dont venait tout le mal. Mais est-ce qu'on sait vraiment ? Non, on ne sait pas. Donc le conseil que j'ai envie de vous donner, et surtout par rapport à l'intégration des EY, faites en sorte que le plus vite possible, chacun des nouveaux intervenants connaisse non seulement le contour de sa tâche, mais connaisse aussi le plus et le mieux possible le contour de la mission des autres. Et quand on est compétent sur l'ensemble du fonctionnement d'une entreprise, on devient beaucoup plus indulgent avec ses partenaires des autres services. Et quand il y a de l'indulgence, ça débouche sur la connivence. Et la connivence, c'est ce qui fait avancer une entreprise, c'est ce qui lui fait traverser les moments difficiles. La première mission du manager, c'est de développer au sein de son entreprise, au sein de son équipe, ce qu'on appelle, ce que moi j'appelle, le référentiel commun partagé. Ce dont l'ensemble des collaborateurs se souviendraient, alors à peu près de la même manière, d'une expérience vécue. Partant du principe que l'objectif de ça, c'est de mettre en évidence l'aphorisme, la mémoire est le meilleur outil de prédiction. On veut tous anticiper, on veut tous être dans l'avenir, on veut tous... Bon. Sur quoi s'appuyer ? Alors sinon, vous allez voir une voyante, Madame Irma, qui va vous dire à travers le sang de poulet ce qu'il faut faire. Moi, je crois plutôt à l'activation de sa mémoire. Mais je parle d'une mémoire collective, pas du tout d'une mémoire individuelle, c'est-à-dire pas le ressenti de chacun. Parce que, vous l'avez dit Jean-Luc, vous avez perdu un truc de chouïa, dans ceux qui ont contribué, non pas à cette défaite, mais à cette mission, il y en a qui ont très très bien agi, et qui eux sont contents d'eux, et qui ne peuvent pas estimer que ce soit eux qui soient la cause de l'échec. Voilà. Mais ça c'est un ressenti individuel, comme on le disait dans une de nos conversations de préparation, celui qui a marqué 10 buts, il est très content de lui, mais si le match est perdu, j'en ai rien à foutre qu'il ait marqué 10 buts. Et alors il a fallu qu'il en ait marqué 12 si on a perdu d'un but, vous voyez ce que je veux dire, moi. Donc ce qui est important, c'est la mémoire collective. Et la mémoire collective, il y a une façon de la faire émerger, c'est en utilisant la technique du débriefing, que vous connaissez tous, même beaucoup mieux que moi, mais ce qu'on appelle le débriefing collectif. Débriefing collectif basé sur la parole donnée à chacun de ses collaborateurs. Nous avons terminé hier un exercice, donné un dossier, un contrat, un match et tout. Nous nous réunissons le lendemain et nous essayons, parce que ce n'est pas facile, hein, nous essayons de répondre collectivement à la question « qu'est-ce qu'on a vécu hier ensemble et qu'on ne doit jamais oublier ?» Alors là, bien sûr, il faut donner la parole à tout le monde. Il ne faut pas donner la parole au plus grand nombre. Il faut donner la parole à tout le monde par rapport à ce questionnement. Et de prendre dans chaque réponse ce qui vous paraît à vous, vous qui êtes le manager, des éléments importants pour l'avenir. Voilà. De l'évocation de notre passé, de l'évocation de ce dossier perdu de Chouya, comme vous l'avez dit, Jean-Luc. On met en évidence que ça a été très bien, ça et ça, c'était un peu moins bien. Donc souvenons-nous bien sûr de ce qui est très bien, parce que ça nous conforte, mais souvenons-nous aussi de ce qui était moins bien, parce que ça doit nous interpeller. Et cet élément-là, au travers de l'évocation de cette expérience, ça s'ajoute aux autres événements, aux autres éléments de référentiel qu'on a construits, et ça devient un bagage. Alors, ce qu'il faut savoir, mesdames et messieurs, mais ça, vous le savez, c'est que ce bagage-là, on pourrait avoir l'impression que théoriquement, c'est compris, perçu et retenu par l'ensemble des collaborateurs, alors que ce n'est pas le cas. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Celui qui doit s'en souvenir, c'est le manager, parce que lui, c'est son métier. Et comme il se souvient de ce qu'on a dit à propos de tel événement, et que dans l'avenir, on va rencontrer un événement qui pourrait ressembler un petit peu, eh bien, avant de s'engager dans la prospective, il pose la question à ses collaborateurs,
Est-ce que vous vous souvenez de ce qu'on a dit à propos du dossier Tétranergie qu'on a malheureusement raté il y a... Personne s'en souvient. Ce n'est pas possible que personne s'en souvienne. Alors, je vous mets sur la piste. Tu dis un petit truc, un mot, et pouf, ça déclenche. Et là, hop, hop, ça revient. Et là, quand ça revient, ça veut dire que c'est utilisable. Donc voilà, se servir de sa mémoire pour envisager l'avenir. Dans une équipe de hand qui va participer au championnat du monde 2001 en France, il y a 3 gardiens de but qui sont sélectionnés. J'espère que vous n'allez pas être choqués par ce que je vais vous dire. Au niveau des gardiens de but, ce sont des rivaux. Voilà. Ils sont dans la même équipe, ils sont soi-disant partenaires, mais ils sont rivaux. Pourquoi ? Parce qu'il y en a un qui joue, il y en a un qui ne joue pas et qui est sur le banc, donc qui peut être éventuellement appelé à jouer. Et puis il y en a un, alors lui il ne joue pas, il est en costard, il est dans la tribune. Voilà. Bon. Qu'est-ce qui se passe dans la tête de celui qui joue ? Ben, il dit « j'ai intérêt à être bon, parce que si jamais je suis mauvais, je sors et je ne reviendrai peut-être plus bon. ». Qu'est-ce qui se passe dans la tête de celui qui est sur le banc ? Est-ce qu'il est content chaque fois que le titulaire qui est sur le terrain arrête un ballon ? C'est pas sûr. Il est content quand les attaquants marquent des buts. Mais quand son copain arrête des ballons, il se dit « ouais, putain, s'il continue à arrêter des ballons, jamais je vais rentrer, quoi. Jamais je vais jouer. Jamais je vais avoir mon heure de gloire. » Et le troisième, qui est dans les tribunes, il se dit « jamais mon tour viendra, quoi. » Donc, lors d'une des premières réunions, où je voulais comprendre les relations de rivalité entre les joueurs de mon équipe, au niveau des gardiens de but, je leur ai posé la question suivante, je leur ai dit, devant les autres, hein, c'était pas dans un huis clos, les gardiens et moi, devant les autres, je leur ai dit, je veux vous entendre vous exprimer sur votre position hiérarchique par rapport à vos deux concurrents. Est-ce que vous considérez que vous êtes le numéro 1, le numéro 2 ou le numéro 3 ? Première interviewée, Christian Gaudin, né en 67, le plus ancien, et je lui pose la question, alors Kiki, qu'en penses-tu ? Kiki, il se lève, je vois presque des larmes qui coulent dans ses yeux, parce que c'était un grand garçon, mais sensible. Il dit, Daniel, tu me poses la question, moi je te dis, le numéro un, c'est moi. Et j'argumente, je suis le plus ancien, c'est moi qui ai le plus d'expérience, et là j'arrive avec un appétit forcené, et si ça ne tenait qu'à moi, je demanderais à jouer tous les matchs, c'est-à-dire à écraser la concurrence. Merci Christian de ta franchise. Numéro 2, Bruno Martini, né en 1971, donc un peu plus jeune. Alors Bruno Martini se lève, grand sourire, pas de larmes dans les yeux. Bruno Martini, il dit « Non, je m'excuse, mais le numéro 1, c'est moi. » Et il me regarde, il me dit « Tu m'en as apporté la preuve, parce qu'en 1995, c'est à moi que tu as fait jouer la finale des championnats du monde, et pas à Christian Gaudin, qui était là aussi, mais qui n'a pas joué. » Donc voilà, donc j'argumente en disant « Je suis le meilleur, tu me l'as prouvé, et je veux continuer à le prouver. » Merci Bruno. Et le troisième, c'était Thierry Omeyer, celui qui est notre star actuellement, qui à l'époque était débutant, et qui se lève, et qui très timidement, parce que c'était un Alsacien timide à l'époque, il dit « Moi, je ne dis pas que je suis le numéro 1, je ne dis pas que je suis le numéro 2, mais je viens d'arriver et je ne suis pas là pour faire briller les deux autres. Je ne suis pas là pour être un partenaire d'entraînement. Moi, si j'ai ma chance, je veux la saisir et tout ça. » Merci Thierry. Donc voilà, maintenant que tu as entendu ça et que tu es le chef, qu'est-ce que tu fais ? Et j'ai compris à ce moment-là que ces garçons qui avaient du mal à se départager entre eux, parce que c'est assez subjectif, qui avaient du mal à être départagés par moi, parce que quand évidemment je valorisais l'un, ben, l'autre m'en voulait réciproquement. Donc en fait, ce qu'ils avaient besoin, c'est une règle du jeu. Une règle du jeu qui soit indiscutable. Je n'ai pas eu la réponse tout de suite, parce que j'avais constaté cette rivalité que je m'en doutais un peu, mais je ne pensais pas qu'ils soient capables de l'exprimer aussi fort. Mais le lendemain, je les ai réunis, alors uniquement entre eux, et j'aurais dit, voilà, messieurs, ce que je vous propose. J'ai trouvé la règle du jeu qui va vous départager. Nous allons avoir 9 matchs de préparation pour les championnats du monde. 9 matchs, c'est divisible par 3. Donc, vous allez jouer tous exactement le même temps de jeu à la seconde près. Et nous allons scrupuleusement évaluer la performance. Alors, la performance d'un gardien de but, c'est pas compliqué, hein. Nombre d'arrêts par rapport au nombre de buts. Voilà. Et donc, ça fait un pourcentage. Et après chaque
période jouée par l'un d'entre vous, on affichera la performance sur la porte de l'ascenseur. Parce qu'il faut savoir que les sportifs de haut niveau prennent toujours l'ascenseur, même quand ils descendent du premier étage. Donc l'ascenseur, c'est stratégique. Voilà. Eh bien, imaginez qu'au bout de 3 matchs, où les 3 avaient joué 1 heure, eh bien, sur la porte de l'ascenseur, il y avait marqué premier Gaudin, 12 arrêts, deuxième Martini, 10, troisième Thierry Omeyer, 4. Et ça, ça ne se discute pas. Et quand on arrive à la veille du premier match, moi, je vais sur la porte de l'ascenseur, je regarde qui est premier, je le mets sur le terrain, je regarde qui est second, je le mets sur le banc, je regarde qui est troisième, je le mets dans la tribune. Pour commencer. Et ensuite, en fonction de la performance, on continue comme ça si le titulaire est toujours aussi bon. Si le titulaire n'est pas bon et que l'écart présumé n'était pas important, ben on peut faire voir jusqu'à faire une permutation circulaire. Et on a géré le mondial 2001 comme ça, à la satisfaction des gardiens. Énergie de nous avoir invités ainsi que certains de nos membres pour cette conférence sur le management de la génération Y. Il est vrai qu'au sein de la chambre nous avons effectivement à la fois du X et du Y, donc c'était très intéressant de voir un petit peu aussi la comparaison entre le monde professionnel et le monde sportif. Donc, que je connais moi très très bien et que j'ai retrouvé effectivement par les exemples de M. Constantini. Mais c'était une très bonne conférence et je vous remercie. La conférence était très intéressant d'un point de vue managérial. C'est vrai que je suis issu de la génération Y et j'ai la chance de gérer aussi beaucoup de personnes Y. Donc ce que notre intervenant a expliqué est vrai, on est beaucoup dans le vif du sujet et on a eu l'occasion justement d'exposer nos problèmes et d'avoir des réponses concrètes. Je dirais que déjà le premier point fort et moment fort de cette conférence est déjà la qualité de l'intervenant, Daniel Constantini, qui pour moi incarne certes l'image du gagnant, de champion, mais aussi celui qui a des valeurs profondes du sport, du management, et qui pour moi est le type de meneur d'homme à suivre, donc à appliquer ensuite comme méthode, comme conseil au sein des entreprises. Donc on essaiera autant que possible d'être un peu plus des Y au lieu que d'être des X ou des zéros. Voilà. Renseignements sur la génération Y qu'on gère aussi aujourd'hui, qui est assez difficile, mais je trouve quand même que même dans la génération X, il y a un mélange de Y en eux, dépendant de comment eux, dépendant de leurs aspirations, dépendant de leurs ambitions. Il y en a qui décident vraiment de foncer, mais je crois qu'on ne peut pas catégoriser les gens pour dire qu'il y a génération X ou Y aujourd'hui, mais il faut savoir connaître un peu les subtilités de tout un chacun et à partir de là, nous, trouver notre modus operandi, comme on dit. Voilà, merci. Merci. Ah, c'était très instructif. J'ai retenu le tutorat et le debriefing. C'est deux éléments très, très valables à mettre en pratique dans une entreprise avec des jeunes qui arrivent. On se disait en discutant avec quelques amis là,
qu'il faudrait bien choisir le tuteur, parce qu'il ne faudrait pas avoir quelqu'un qui va déverser tout le côté négatif de l'entreprise aux jeunes qui arrivent. Mais c'est en effet, c'est quelque chose de très très intéressant et à être mis en application dans l'entreprise. Voilà. Cette conférence, je la trouve assez intéressante en sachant que j'étais dans le sport et notamment dans le coaching des équipes. Qu'aujourd'hui, je coach une équipe sur le spa dans un hôtel. Et je trouve que les quelques aides de management qu'il nous a offert aujourd'hui sont très intéressantes, notamment sur le briefing, de récupérer des forces de notre équipe et de pouvoir travailler avec. En sachant que toutes les équipes sont assez diversifiées, que ce soit au niveau sportif, que ce soit au niveau émotionnel. Donc, je la trouve très. C'est une conférence très intéressante et d'avoir un avis d'une personne quand même professionnelle sur ce sujet est sympathique. Voilà. Et très heureux d'avoir assisté donc à ce cours, hein, en quelque sorte. Hein, c'est un peu un cours qui nous a donné à travers son vécu, son expérience. Et je pense que, autant moi du domaine sportif que vous du domaine entreprise, vous avez vu très vite le parallèle qu'il y a entre les deux. Voilà, il y a un gros rapprochement entre les deux, c'est du pareil au même, je dirais, en quelque sorte. Hein, parce qu'on est dans le domaine du collectif. Voilà, et donc ça fait du bien, ça fait plaisir d'entendre des personnages comme lui. Voilà.